Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. La dernière fois, nous avons attaqué le troisième acte avec différentes quêtes, notamment celle sur la création d'alliances pour nous aider à nous préparer contre l'arrivée et les forces armées du roi des ombres. Nous avons vu, notamment pour les nains, ça a été réglé avec une... d'une bien belle manière, notamment grâce à une relique naine des ponts d'Anel. Nous avons aussi vu avec le cercle du lac qui malheureusement était déjà sous l'emprise du roi des ombres et nous n'avons pas pu conclure un accord avec eux. Et il y a une troisième personne, je vais retrouver ça parce que ça fait un petit moment. Alors c'est le peuple lézard qui est avec nous, où on a dû se battre et aussi faire comprendre au chef du peuple lézard que c'est le roi des ombres qui lui avait monté la tête contre nous. Il nous reste du coup l'alliance avec les Verdunsnaven et surtout atteindre le vallon de Mardelan. Nous allons cependant continuer avec les alliances avec les Verdunsnaven pour aujourd'hui, mais surtout... il y a une chose que j'ai découverte, notamment avec ce personnage que vous voyez là, Kalindra, dans les dernières minutes de la dernière session. J'ai parlé et ce que cette personne m'a dit, c'est que si j'avais du minerai, normalement je dois en avoir sur moi vu que je l'ai récolté. Oula. Alors oui, j'ai eu des petits soucis, donc il se peut que tout soit un peu plus gros pour vous. J'ai débloqué quelque chose, notamment au niveau des minerais. Alors, j'ai pas débloqué les minerais ici, mais j'ai débloqué les emplacements. Et en fait, je me suis renseigné. Et lorsque l'on débloque ce personnage et qu'on lui parle, on débloque les emplacements de minerais. Et ces emplacements de minerais, à chaque fois qu'on en trouve, il faut lui reparler pour lui dire d'amener des hommes extraire le minerai. Et ce minerai, c'est ce dont j'ai besoin pour améliorer l'équipement de mon fort. Vous allez voir. Voilà. J'ai trouvé de nouveaux gisements de minerais. C'était les deux gisements que j'ai trouvés lors de la quête des nains. Donc je vais lui dire, j'ai trouvé deux trucs. Vous êtes bien placé, Gabinette, prenez cette heure, il vous revient. Quand mes hommes reviendront, je donnerai une partie de ce qu'ils ont trouvé. Le meilleur revient toujours au découvreur. Donc voilà, hop, le minage. Je récupère 500 pièces d'or. Bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est... hop là. Je pense que ça doit être comme pour la construction. Si je vais dans une autre zone, je reviens et puis c'est réglé. Mais vous allez comprendre. Hop, je rentre. Hop, je sors vers la ferme. Et normalement, elle devrait être revenue. Et elle va me donner une partie... des minerais, je pense, qui va m'être utile. Bah voilà, Kalindra, elle est là. Donc on va relui parler. J'ai découvert deux gisements, du coup. Alors, obtenu lingot de fer. Ah, donc j'ai deux lingots de fer. C'est beau. Alors c'est des bonnes minerais. J'en ai qu'un seul, ok. Et donc ces deux lingots de fer qui sont juste là, si je ne dis pas de bêtises, essentiels à l'immense majorité des armes et des armures fabriquées par sur Faerûn. Donc avec ces 2000 lingots, alors je pense pouvoir améliorer mes équipements. Je ne sais pas avec quel personnage, je suppose. Je dis bien que je suppose que c'est avec le forgeron. Et j'espère que c'est avec le forgeron parce que là, j'ai tout à fond, sauf au niveau de mon équipement. Ça me pose un petit peu problème. Alors la tour évidemment, bon c'est un souci, le monastère on le garde, ah la forge, bah, la forge est juste là, est-ce que j'ai... ah Jacobi, parfait, bah c'est lui que je dois voir. Vous m'avez toujours bien traité, je vous avais fait construire un magasin, je vous redresse ça un jour. J'aimerais... pouvons-nous aborder le sujet d'amélioration des armes de mes hommes? J'ai assez de matières premières pour fabriquer de nouvelles armes, que voulez-vous? Ah, quel est l'armement actuel des soldats? Gourdin achète et même des tondeuses à moutons. Eh oui, il faut au minimum que chaque clientèle ait une arme décente. Je peux vous fabriquer ça 1000 d'or. Eh ben 1000 d'or, hop, c'est donné. Je m'y mets de suite et il s'en va. Et donc là, on va faire pareil pour que ce soit validé. On va faire ça maintenant.
Et il va falloir que je fasse très attention parce que je suis dans un... Dans un moment du jeu où je suis très avancé. C'est-à-dire qu'à l'acte 2, j'aurais pu récolter bien plus de minerais, bien plus de lingots. Là, maintenant que je suis à l'acte 3 et pas loin de la fin du jeu, c'est un tout petit peu trop tard, malheureusement. Donc, s'il y a des personnes qui jouent Neverwinter Nights 2 et qui voient cet épisode avant de se lancer, faites attention à bien récolter tous les minerais que vous voyez. Et à revenir dans certains endroits si jamais, parce que vous avez vu l'acte 3, il y a des endroits auxquels je n'ai plus accès. J'ai passé des années près du marais. Vos garantés auraient besoin d'un peu d'attention. C'est quoi ce présent? Ils ne sont pas comme. Alors, un chouette magasin, je vous remercie, mais armer tous les grimantais, ça nécessite du minerai, j'en manque. Ok. Reforger une épée en argent. Alors, très bien. Très bien. Très bien. Bon, a priori, ça a été fait. Faudrait que je vois auprès de ma. Je vais pas dire ma secrétaire, mais presque. Où est-ce que c'en est? Ah, Neval. Hop, Neval, blablabla. Très bien, très bien. Comment se passent vos efforts? Les droits du marais sont perdus, malheureusement. Ce sont tous des alliés que j'ai pu. Ce sont tous les alliés que j'ai pu trouver. Je prépare encore nos forces. Ah. Qu'est-ce que c'est, Donacher? Oui, très bien. Ok, ok, ok. Je prépare encore nos forces et je reviens. C'est qui tu es, toi? Startir. Qui êtes-vous? Je suis le grand archimage Startir. Oui, très bien. Cet endroit sera-t-il reculé? J'ignore qui vous êtes. Oh. Quel service proposez-vous? D'un archimage, les préserves. La spécificité, c'est-à-dire que voulez-vous étudier? Je vous laisse chez moi assis. Je vois et défini une tour des mages en suivant les indications. Il me faut une tour des mages fonctionnelle avec logement, espace de travail, accès des assistants. Jusqu'à d'accord. Très bien. Donc, une tour des mages pour un archimage. Pourquoi pas, mais on verra bien. Ah, Béville, alors j'ai envie de dire que tu t'es chevalier capitaine du fort. Mais Béville, que fais-tu ici? Je suis venu ici, j'ai entendu parler de la guerre, j'ai décidé de rejoindre. Très bien. Sais-tu si. D'abord, pour ta famille, évidemment. Sais-tu s'il y a d'autres survivants? Je pense pas que ton père. Nina... Ah. Comment tu suis pour nuire? Ça a commencé par la rumeur, mais je n'ai pas cru un traître mot. Ce bishop prétendu que tu étais passé au village. Oh. Que vas-tu faire maintenant? Canada m'a fait patrouiller sur les murailles, mais je veux conduire mon nommé sergent. Eh bah très bien, Béville, c'est très très bien. Du coup, on va revoir Canada. On va revoir Jean-Mi la construction pour lui dire frère, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour une tour des mages? Parce qu'en vrai, je peux pas construire une tour de guet et ça m'énerve. Donc par exemple, la tour et l'ancienne église. Pourquoi? Ah oh, tiens. Je souhaite convertir la tour en tour de mage pour Startir. Non, pouvons-nous construire la tour de garde pour les neufs La tour. La tour pourrait servir à Monsieur Neval, mais d'autres personnes pourraient s'y intéresser. Et pourrait-on construire la tour pour des neufs pour les neufs? Très simple, reconstruire 10 000 balles. Ah, reconstruisez la tour pour Monsieur Neval. Et si je demande. Et si je demande. Convertir en tour des mages. 20 000, ça coûte plus cher, mais ça pourrait être très intéressant. 20 000 pièces d'or. J'ai combien j'ai d'or déjà, moi? Je ne sais plus. Attendez. Tac. J'ai 200 000 balles. Je vais prendre le risque de construire une tour des mages. Ça pour... La magie est très très importante. Donc. Nous partons pour une tour des mages. 100 000 balles de moins. Bon, c'est pas grave. Eh ben, tant pis. Parfait, il va construire la tour. Je vais en profiter pour voir Canada et lui demander comment ça va. Qui es-tu, toi? Comptable du fort de la croisée, fierté de manière, vous êtes déjà entré dans la légende. Mais qui êtes-vous? Je suis Cravalsoir Étoile, délégué de l'Oscan. Ok.
Je vous donne le bonjour de Scan, ami de Nord. Bonne rencontre. Très bien. J'en viens au fait. Séné Nathalie souhaite vous rencontrer afin de vous une faiblesse dans la genre des ombres. Quelle faiblesse? Maîtresse Nathalie, la garde secrète, même vis-à-vis de la tour des arcanes. Que... C'est un peu étrange. Séné Nathalie souhaite vous rencontrer, vous et certains de vos compagnons qui pourraient faire le meilleur usage des informations qu'elle compte. Pourquoi t'a-t-elle envoyé du coup? Elle souhaite que se tienne une réunion clandestine dans un forêt, dans un lunette, à l'abri du regard. Ou doit avoir une rencontre. C'est sur le territoire de Bavière, dans un endroit de discrétion et de regard. Indique-moi l'endroit. Quels sont les compagnons? Le jeune survivant de l'académie, Kara, ainsi que la guide. La guide. Pourquoi? Avez-vous d'autres questions? Pourquoi vous êtes envoyé? Garde ces informations, oui, d'accord. Ou dans un lieu. Par télépathie, je suis. Ah, d'accord, ok. Très bien, et eh ben. Ce serait très intéressant, je vais prendre le risque. Jonas, entre, je vais assassiner. Alors. Pourquoi L2? D'accord. Bon. J'ai trop à faire pour partir maintenant. Nous reviendrons bientôt. Très bien. Il y a des petites choses qui se débloquent. Il y a des petites choses qui se débloquent. Quand quoi, tout ce qui se passe autour du fort de la croisée est assez intéressant et assez rempli. Ça me plaît beaucoup. Alors, ma chère Kana, putain, oui, c'est j'ai ici un visiteur, capitaine, avec une proposition intéressante. Je suis le chef des alliés du Freu. Nous sommes des mercenaires de Port-Ponant. Nos contrats nous ont menés de la mer des étoiles déchues à ici. Nous aimerions rejoindre les Grimantelles. Ces mercenaires valent mieux que la plupart de ceux que j'ai vus. Mais ils sont indisciplinés et peu habitués aux lois, comme aux gens. Cela peut nous nuire de les incorporer. Les Freux sont de bons combattants. Et certains surpassent nos propres recrues. Et en vrai... on a besoin d'hommes. En vrai, la situation est assez importante, donc on a besoin d'hommes. Ce sera un plaisir de travailler pour vous, capitaine. Espérons que tout se passera bien. Bien sûr que tout se passera bien. Kana, enfin... un peu confiance. Sur le front... Il y a des troubles sur la frontière sud. Eh ben, on va régler ça. Une mission spéciale se présente-t-elle? Oh, au sud se trouve le Marais des Morts. Oh. Très bien. Occupez-vous de cette mission. Vite, Kana. Ah bah, elle part. Très bien. Bon, bah, on va au moins faire tout ça. Tout ce genre de petites choses. C'était pas ce dont je voulais parler avec Kana, mais... Bon. On verra bien. Et il fait déjà nuit. Alors, Maître Videle. Alors, voyons voir. Béville, il est là. La tour des magiciens. Ah, oh, déjà construite. Eh ben, bravo. Neval a sûrement me casser la gueule. Il y a un grimantel ici. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je peux rentrer. Je peux rentrer dans ma tour. En tout cas, Videle. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons... un commerçant et un Startir. Startir est ici. Et commerçant. Oh, je peux te vendre du merdier, toi. Maître Startir, on a dit des objets sur lesquels vous consent à bon prix. Eh ben, montrez-moi. Et surtout, ok, des écharpes. Et je peux lui vendre. En vrai, mon pote, je vais te vendre énormément de merdier. Ah, mais j'ai un lingot de fer. Bah, attends. Si j'ai un lingot de fer, c'est utile, ça. Le reste, je m'en fiche. Il y a tellement de... à te vendre. J'ai tellement de trucs à te vendre, mon pote. Et tu as de très belles choses qui pourraient m'intéresser. Je vais pas faire la vente tout de suite. Mais je regarde ce qu'on me propose. Très bien, là où j'ai pas droit. Alors, Startir, comment trouves-tu ta petite tour, mon pote?
Les conditions de logement, espace, recherche et accès aux assistances sont réunies. Cette tour est parfaite pour moi. Très bien. Votre récompense a déjà été fournie. J'ai demandé un serviteur à votre subordonné Kana. Il vous permet d'accéder à qui vous en donne mes babioles. Et je viens de cette étude de science. Du plan matériel comme vous, mais mes études m'ont amené au-delà. Si vous voyez, je vous annonce. Sachez qu'il y a des puissances à qui il ne faut. Quelles sont les puissances? Diables et démons, dieux et déesses? Oui, très bien. Donc je connais un peu. Comment voyez-vous? C'est un secret que vous découvrirez peut-être un jour, mais je regrette pas plus si vous votre maison. Vous y êtes à force de voyager. La seule maison. Mon seul semble de maison, c'est Sigil, cité des portes dirigée par Dame de la Douleur. D'accord. Très bien. Et ben j'ai un mage. Un mage dans mon équipe. Parfait. Écoutez, je ne demandais pas plus. Est-ce que j'ai encore besoin de construire quelque chose? Je pense que j'ai tout construit maintenant que j'ai un peu tout débloqué et que je redébloque des trucs. Là, j'ai plus rien. Ah, je fais ça et ensuite je vous assure qu'on avance. Ne vous en faites pas. On va déjà aller voir la rencontre de la dame. Où allons le sud? La construction est terminée, très bien. Qu'est-ce qu'on peut reconstruire? La tour est l'ancienne, tout est terminé. Le fort est terminé. Les bâtiments. Par contre, les fortifications terminées. Les alentours. Ah! Ok, je n'ai pas ce qu'il faut. Et ben, c'est tout ce que je peux faire. Très bien. J'arrive, mon Craveler. J'arrive. Kana, débrief sur la mission. Et puis, ce sera pas mal. Alors, j'ai un résultat de la mission spéciale accomplie par Grimantel. On cherchait tout le monde à la frontière du sud de Morion en quête de Morion, ouais. Les droits de ma troupe, mais n'ont pas réussi à remonter jusqu'à la source. Aïe. D'après. Et j'ai bougé mon volume, pardon. D'après les pisteurs, ce serait un homme seul à la tête d'une vingtaine de zombies et squelettes, mais la mission a échoué, d'accord. Quel est l'état du fort? Entrepris les travaux, mes murs et bâtiments sont en piteux état. Mais pas du tout. Ok. Où en sont nos alliances? Le point d'aller vous a envoyé son émissaire, très bien. Le peuple lézard nous a envoyé la Shiva, elle a demandé à avoir un endroit frais et humide, si je suis dans le cave, et c'est tout. Un rapport sur le fort de la croisée. Oui, évidemment, l'entraînement j'ai le meilleur, la civilité c'est ok. Les armes, ah, on est passé sur les armes basiques. Ce qui est déjà pas mal. Des villes, pas d'assignement. Ah. D'accord, bâtiment non construit, aucun, ok, j'ai tout amélioré ici. La sécurité est très nulle, vraiment très très nulle, donc il va falloir que je remédie à ça. Et là, je considère que ouais, je suis à 55%, c'est déjà pas mal. Et ben, on va assigner une tâche à Béville, et puis nous irons nous rendre au sud, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Juste après Béville et juste après avoir vendu énormément de merdier aux marchands de Startir. Il est où Béville? Je vais vous passer d'ailleurs le passage du marchand, je sais que ça n'intéresse que très peu de monde. Et moi non plus, je ne trouve pas ça très très intéressant. Béville, je vais te donner un enseignement quand même, si je peux. À quoi t'entraînes-tu en ce moment? Je pardon. Apprendre à devenir sergent, mais. Ah. Elle parle tout le temps, la voix de l'épée, visiblement, elle attend de nous que l'on saute à la gorge de la mort en personne. Oui. Ah. Écoute, la discipline. Que penses-tu de repartir? Oh, c'est vrai. Non, j'ai mon compte d'adrénaline chez Grimaud. Eh bah, écoute, c'est bien mon pote. Bien, Neval, tu vas. Ah oui, Neval. Ah, excuse-moi, la tour. Comment se passent vos efforts? Ah tiens, oui, si Sydney natal.
Et nous on est à chercher, j'imagine qu'il n'y a vu ni insulte ni fourberie, Stadisk. C'est comme moi que les rageurs, c'est sûrement à la tour des arcanes. Très bien. Elle a sûrement des raisons de vous y aider, elle ne fait aucune promesse et n'ayant aucune confiance en elle. Très bien. Et ben je prépare une force et je reviens. Je vais vendre mes affaires et puis direction le sud. A tout de suite. On monte à la Dream. Wait. Non, attends, j'y suis pas déjà allé. Merde, j'ai un doute. Ah putain, je crois que j'y suis déjà allé. Ah, mais quel fils de con. J'y suis déjà allé, je suis un putain de débile. Alors. Neberndos Namen. Alors, ah voilà, les Verdons Naven, et bah pour l'Est. Pour l'Est, let's go. Alors, retour à Port l'Est. Il faut que je trouve des érudits. Pour l'Est qui était attaqué par les peuples lézards. Ah bah les blagues. Normalement c'est eux. Et les va et nos du Hab. Et bah ils sont là. Et bah on va leur parler. Ah. C'est donc une allégorie du lézard. Une allégorie bien sûr, vous avez mille fois raison. Vous voyez, non, ce n'est pas du tout ça. Ah oui. Ah non, désolé, une allégorie. Je recherche les Verdons Naven. Oh, expliquez-leur qu'ils comprennent ce que nous savons. Non, il n'y a pas de nous. Vous n'en savez pas plus qu'un gnome. Tenez-vous le pour dit. Mais comment votre enseignement suivra-t-il s'il n'est pas partagé? Ah, je sais, je vais vous expliquer à tous et vous saurez. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. C'est une étrange Ganymade. Un étrange Galé Mathias, mais le rythme semble être bien particulier. Ah, laissez-moi un peu de temps, je dois en écouter davantage, c'est comme une chanson qu'ils interprètent. Je crois vraiment que nous devrions leur parler, enfin les écouter, pour voir s'ils ont quelque chose à dire. Oui. Saillant, oui. Oui. Non. Sautillant. Non, plus de mots en S. Saignant, sérieux, sensationnel. Moins de S, plus de Ch, je pense. Des chiens chuchotent dans le chat avec des chats. Non, non, dans le nom avec des noms. Je suis à deux doigts de comprendre, c'est absolument fascinant. Continuons d'écouter. Qu'est-ce que tu me parles? Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oh. Oh oui. Non. Quoi? Quoi qu'un coquin, quelle guerre, quéquette, craquait-il, c'est quelle guerre en fait, colloque? Quoi? Oui. Non. Oui, 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 oui. Non. Pardonnez-moi, grand prêtre, du oui, du non, mais nous accomplissons une sorte de quête, une quête de vérité. Pouvez-vous nous aider? Oui, oui, oui. Non, mais non, 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 c'était un non, non. Je vous en prie, je dois savoir, les Verdons Naven existent-ils vraiment? Oui. Oui, tout s'éclaircit. Vas-y, pose-leur une question, ils ne répondront que par oui ou non. Mais nous devrions pouvoir déterminer où se trouvent les Verdons Naven. Se trouvent-ils à l'ouest? Non. À l'est? Oui. En fait, non. Eh bien, plutôt oui. Pas vraiment, non. Ils sont au sud-est. Je me demande pourquoi ils n'ont pas simplement exigé une carte. Mais pourquoi je me barre? Je ne sais pas. Accepteriez-vous de me donner la carte? Non. Puis-je vous acheter la carte? Non. Pouvez-vous me montrer la carte? Oui. Ah. C'est compliqué cette histoire. Ce document n'a rien d'une carte, c'est davantage une énigme. Laissez-moi la recopier, je vérifie l'orthographe une dernière fois et je la consigne dans notre journal. Et voilà terminé. Tu peux leur rendre l'original. Je sais où se trouvent les Verdons Naven. Laissez-moi noter ta carte. T'as déjà résolu l'énigme? C'était une énigme, j'ai dit ça. Non, c'est rien d'une énigme. Enfin, ce que j'ai d'abord pensé, mais curieusement, la combinaison de ces paroles absurdes et d'un système. Mais rimique plutôt simple m'a paru plein de sens tout d'un coup. Et quelle était l'énigme? Tu me poses une colle ou tu demandes pour le vrai? Je sais pas vraiment. La réponse serait je ne sais pas, mais je suis sûr d'avoir la bonne réponse. Bon bah allons-y. Je n'ai rien compris, mais c'est très marrant. Nous offrons une carte conduisant à un supposé passage vers Vendor Rhythm.
La mythique cité des nuages des Verndor Snaven, ne sait-on jamais conduire Gromnar jusqu'à la position indiquée par la carte pour donner quelques résultats. Eh ben mon pote, si t'as compris la carte, bravo. Bravo, bravo, bravo. Parce que je n'ai rien compris à ce qui s'est passé pendant les quelques... Pendant, en fait. Mais bravo à toi. Du coup, rendons-nous à Verdenmeet qui devrait être l'étrange clairière. Bah ici. Pas là, je pense. J'espère que c'est là. C'est une étrange clairière. Oh, oh, oh. Oh. C'est très beau. C'est très beau, je vais en profiter pour aller sauvegarder ma partie. Alors, bah on va avancer, puis on verra bien ce qui se passe. Je n'arrive pas à déterminer quoi, mais il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit. Non mais, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Ah. Dépouille du poète acharné, Grigneur semble rêver d'apprendre l'existence de cet endroit. Quoi? Pardon? Hein? Quoi? Ah! Oh! Oh, ok. Journal du poète acharné. J'ai entendu parler du poète à qui appartient ce journal. C'était un acharné. On l'appelait d'ailleurs le poète acharné. Il a disparu il y a très longtemps. Visiblement, les orques ont dépouillé le corps. Il ne doit plus rien rester. Aïe, 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 aïe. J'ai buté sur quelque chose. Aïe, je crois, rien de cassé, mais... Ma foi, je ne vois rien au sol sur quoi j'aurais pu buter. À moins que... Ah, je m'en doutais. Je ne pouvais pas le voir parce que c'est invisible. Tiens, regarde. Tu vois? On dirait un genre d'instrument invisible. Et il traîne par terre, là où tout le monde risque de l'abîmer en marchant dessus. Quelle honte! Je me demande s'il fonctionne. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu as entendu ces notes persistantes? La façon dont elles semblent flotter dans les airs. Cet instrument utilise le plus simple des souffles pour en faire une musique magnifique. Eh bien, l'invisibilité, la musique... Bon sang, mais c'est bien sûr! Ce doit être un instrument Verndor Snaven. C'est vrai, sûrement pas. En tout cas, ils ne sont pas là. Leur réputation de timidité n'est peut-être pas si surfaite que ça. Je suis désolé de vous avoir conduit à cette chasse aux lapins, mais bon, cette découverte incroyable est peut-être un don, la façon qu'ont les Verndor Snaven de nous aider. Et je pense que c'est assez. Tant que nous y croyons tous les deux, la foi en leur existence légendaire ne mourra pas. Bon, adieu les Verndor Snaven, où que vous soyez. Et merci beaucoup pour le cadeau. Oh, qu'est-ce que... What? Des orques? Ils sortent d'où? Attendez, ils sortent d'où ces orques alors que c'était sympa, il y avait une petite morale un peu cool. What the... Pourquoi j'ai des orques qui m'attaquent? Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Ah mince, Kira, oui bah Kira, je sais, Kira... Ça m'a sauté, ça nous a sauté dessus... Pardon, Kara. On se débrouille. Pourquoi il y avait des orques? C'est la question que je me pose actuellement. Il y en a encore là-bas. La gare. Ah oui, ah, j'ai un tout petit délai sur, sur la caméra que je n'ai pas réglé. Ah, un mage, un chaman. Trop bien.
Ok. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais des orques à cet endroit. C'est un peu étrange. Peut-être qu'il va me donner un indice, lui. Rien du tout. Là, je n'ai qu'une dépouille. Enfin, oui, c'est la dépouille que j'ai, oui. Très bien, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Il y a eu un niveau supérieur. Oh là là. Ah oui, passage de niveau. Ah ça évidemment. Hein. Et des kiro d'arbalète, tout ça pour ça. Bon, alors le repos, déjà pour commencer, tout le monde se remet. Voilà, très bien. Alors, c'est parti pour le niveau supérieur. Recommander Roublard, je vais le recommander directement. Attaque sournoise, 9d6, pas mal. Moi ? Grobnar, mon plus cher Grobnar, voyons voir, hop, on va y aller comme ça. Oh ! Un sort en plus, tempête de grêle. Pas mal. Pas mal du tout, savoir acrobatie, création, alchimie, immobilisation de personne, tempête de grêle. Je vais retirer aucun sort, et tant mieux. Kelgar, point d'anel, voyons voir. 17 points de vie en plus. Qui est bientôt à 300 points de vie, donc tank, Grobnar. Pas mal. Un peu de points de vie. Et Kara, ma chère Kara, qui est ma magicienne favorite. Oh, nuage incendiaire. Intéressant. Et qu'est-ce que tu me recommandes? Explosion de lumière. Ah, ça c'est intéressant. 25d6 à tous les morts vivants. Ça c'est très intéressant. Ça va être un sort qui va sûrement jouer en ma faveur. Artisanal, chimie, concentration, savoir. Parfait que tout cela. Je suppose que malheureusement l'alliance avec les Vandersnaven. J'ai vu le skate d'un bar de mort. Prétend avoir découvert un instrument de musique magique et estime avoir été convoqué par lui. Ces questions restent sans réponse, eh oui. Eh ben, on va pas aller plus loin, semble-t-il. Mais est-ce que du coup, toi, dans tes affaires, tu as récupéré un objet? Non, tu n'as rien récupéré. Eh ben, écoutez, nous allons diriger vers le vallon de Mardelan. En fait, oui, tout simplement. À moins que l'on aille directement... À moins que ce soit relié. Est-ce que j'ai accès au vallon de Martelan? Déjà, posons-nous la bonne question. Je n'ai pas du tout accès au vallon de Martelan. Je pense que l'on va devoir retourner au fort de la croisée. Parler à Aldanon. Pour avoir la suite de la quête. Et ensuite, dès que j'aurai terminé, eh ben, on aura accès à la fin du jeu. De toute façon, je pense qu'on n'est vraiment pas très très loin de la fin du jeu. À partir du moment où je devrais me fight contre le roi des ombres, ça risque d'être un grand moment. Un très très grand moment. Attends, j'ai 3 lagos de fer. Est-ce que ça t'intéresse, Jacobi, mon pote? Alors, j'aimerais aborder le sujet. Ah, non. Je n'ai pas assez. Je n'ai toujours pas assez de lingots. Bien dommage. Vide-le, je n'ai plus rien à te faire construire. Ah bah oui, toi. Toi. Oui. Ah, toi. Oui. Je t'ai presque oublié. On va faire ça avec toi maintenant. Laisse-moi juste. J'avais oublié toi. Je vais faire ça maintenant. Ne t'en fais pas, mon grand. Kara et Jvair. J'ai encore un peu de mal à prononcer son nom. Pardon. Mais Jvair. Bref. Il va falloir que je retourne. Parce que si je peux avoir quelques informations sur le roi des ombres,
ça va être avec un très très grand plaisir. Alors transition, tac tac tac, et je vais ici accepter le groupe et je retourne au fort de la croisée, paf. Du coup je suis annulé, ah bah voilà. Oui, il faut que je m'occupe de ton montée de niveau toi aussi. Hop, hop, et voilà, et c'est tout, parfait. Et bah écoutez, Oui. C'est parti, Wolfu, il est où Wolfu? Sbire de Wolfu, là. Hop, à la cour, let's go. Bien, mon cher Soir Étoile, écoute, je suis prêt. Je suis prêt, je suis là, je suis devant toi. C'est parti. Ah, non, alors, non, je vais y aller. Je verrai cette Sydney, je suis paré. Eh ben, c'est parti. C'est une forêt. C'est une forêt. C'est un peu étrange. On dirait une impasse. Ah bon? D'accord. Laisse-nous, nous parlerons plus tard de l'opportunité de votre arrivée et de vos manquements. C'est vous, madame? Ça a l'air d'être elle. Ça a l'air d'être elle, ça a l'air d'être une personne charmante. Jalboun. Sans oublier la guite et Kara. Votre père est bien majeur à l'académie. Mais on ne s'en ressemble guère. Vous êtes difficile, vous m'avez l'air du genre à chipoter. Qui t'es toi? T'as l'air pas cool. Vous en jugerez par vous-même quand je serai perché sur un terrain pour carboniser. Pas cool, Kara. Jalboun, j'essaie juste de discuter avec l'autre chaudasse. Ah oui, mais en fait, elle est aussi froide que neige de Valbis. Oh, au secours, je comprends qu'on n'ait plus voulu de vous dans l'armée. Maintenant, silence, c'est votre muscle que je paie, pas votre langue. Bienvenue. Je bouge pas d'ici, vous verrez, je fais le parfait lourdeau. D'avoir dû envoyer Kradvert vous mander, j'aurais préféré venir au fond de la croisée, mais je suis trop surveillé. Vous avez des informations sur la façon de vaincre les ravageurs de l'ombre. Vous connaissez les noms véritables? J'ai ici un parchemin concernant les noms de chacun des ravageurs des ombres. La Tour des Arcanes conserve dans ses registres les noms véritables de tous ses membres afin de rétorsion s'ils venaient à rompre leur contrat. Oh, intéressant. Très intéressant. Peuvent-ils être utilisés contre les ravageurs? Après le rituel d'un confrère des Arcanes a tenté d'utiliser les noms véritables de Garius et des autres, mais cela n'a rien donné. Ils avaient quitté leur forme mortelle pour devenir autre chose. N'étant plus en mesure de contrôler Garius, la Tour des Arcanes a rapidement consommé le divorce avec Garius et ses séides. Ces noms véritables figuraient dans les archives à expurger, je les ai récupérés à point nommé. Mais alors, quel est l'intérêt? La Tour des Arcanes, les pensées inutiles, mais pas moi dans ce domaine, mes intuitions me trompent rarement, et cela m'a sauvé la vie de nombreuses reprises. Aussi, j'ai accompli une divination sur les noms véritables et mis à jour un lien. Hélas, je n'ai pas les connaissances pour en décrypter le résultat. Vous, examinez ceci, que voyez-vous? J'arrive à lire et je crois que ça peut nous être utile. Connaître le nom d'un être confère un ascendant sur lui, c'est vrai. Cela peut affaiblir suffisamment les ravageurs pour les rendre mortels. Oh, vous pourriez lire ces noms à haute voix. C'est une déclamation difficile, mais je peux y arriver. Oui, mais alors vous m'êtes utile. Oh bah, vous en revanche ne l'êtes pas. Enfin, ah, je joue ma diplomatie. Je savais que ça ne marcherait pas. Couillez tant que vous voulez, la Tour des Arcanes ne négocie avec personne. Quand on veut quelque chose, on le prend. Pardon. Je n'ai pas besoin de vous et peu m'importe que vous viviez ou mourrez. Vous n'avez fait que me les apporter sur un plateau. Pardon. Que voulez-vous, je veille. J'avais que les noms et les savoirs récités n'est pas la même chose, mais la guide peut combler ce fossé. Quand j'aurai personnellement vaincu tous les ravageurs, je reviendrai à Luskan afin d'obtenir le rang qui m'est dû dans la Tour des Arcanes.
Vous vous trompez, en nous piégeant, vous sabotez vos ambitions afin, alors qu'ensemble nous serons plus forts. Laissons tomber, brûlons cette magicienne et prenons les noms. Vous garder serait un tel plaisir dans les circonstances plus favorables. Si tu comptes tuer, c'est pour voir. Ah bon? Oula, non, ça va pas être la bagarre quand même. Pardon? La tour des arcanes s'est vue promettre toute l'académie de votre père pour que nous les formions et les utilisions à notre convenance, à la seule condition de s'occuper de vous de façon définitive. C'était ça, d'accord. On ne peut laisser passer une chance pareille, même au vu de vos talents naturels, voire un potentiel caché. Mais mieux vaut étouffer dans le feu avant qu'il devienne incontrôlable. Ouch. Mais... Oh non. Je vais aller, c'est quand tu veux, hein. Pardon. Allez. Ah, je vais tenter. Hop. Je tente un sort. Ça va le faire, vous en faites pas. Vous l'avez vaincu, anéanti. Ah oui, silence, sorcière, si c'était la dernière carte. Ton avenir est derrière toi. Cher Kara, vous avez de la ressource, un sacré tempérament. Shulbun, mettez au salaire, tuez-le. Quoi qu'il vous paye, je vous paye la même chose si c'est elle que vous attaquez. Intimidation, je peux tenter mon intimidation. J'ai plus envie d'être à votre service qu'aussi, à moins que vous fassiez un effort, évidemment. Vous attaquez sur votre dernière erreur. Ah mince. Bah, Shulbun, mon pote, bagarre. Mon pote, t'as fait une erreur. Oh non, je suis dead. Oh non, je peux pas mourir, pas comme ça. Pas comme ça. Ah, je suis pas encore mort. I am not dead encore. Sydney, ah. Sydney. Par contre, là, je suis tout seul et Kara est morte. Je sais pas si je vais m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. C'est un petit peu compliqué, j'aurais dû prendre plus de gens avec moi. Ou alors je suis réellement obligé de... Est-ce que je suis réellement obligé? Est-ce qu'il va réussir? J'ai pas son livre de sort à elle. Sort rapide. Du soin, elle a pas un sort pour me revive. Ah, soin intensif, bonne idée ça. Ça a pas l'air de marcher. Elle a pas un livre de sort. Elle a pas du tout ce qu'il faut. Destruction. Non, ça ne marchera pas. Aïe aïe aïe, et ben c'est un game over. Yes. Ah. C'est un petit peu compliqué tout ça. C'est très très compliqué cette histoire. Et je ne peux pas. Je ne peux pas faire mieux. Je pense que la bagarre est inévitable en plus. Je vais essayer différentes méthodes du coup. Votre offre est tentante, mais je refuse. Ah, et si je refuse? Eh bien, je vous attends au cas où vous changez. Bon, bah... Attends. Si je là-bas, je récupère les noms. Je vais retenter un truc. Tac, je suis paré. Voilà, on y retourne. Je vais tenter une autre méthode. C'est-à-dire en me préparant un peu mieux. C'est-à-dire quand même que j'ai des potions dans mon merdier, moi, dans mon inventaire. Et je les utilise absolument pas. Hop. Hop. Et hop. Et comme je sais ce qui va se passer maintenant, Kara... Armure de mage. Toi. Armure de mage. Armure de mage. Voilà. Et... Bouclier.
Ah, juste sur elle, le bouclier. Bon. J'espère que ce sera suffisant. Bien. Maintenant, on la refait en mieux. Oui. Et on espère que ça va passer. Alors, blablabla, 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 tac, 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 tac. Ah, tac, 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 hop, hop, hop. Échec, bien. Pourquoi Kara laisse tomber Bruno, c'est tombé chez le prénom. Et non, voilà, et la première bagarre. Là. Faut que je fasse attention, il faut qu'avec Schweir, je soigne Kara. Voilà, donc là par exemple, accès au sort, de sort, ce serait pas mal. Sort rapide, ce serait pas mal. Sans modéré, hop, Kara, dépêche-toi. Son intensif, là. Ok, ça s'est bien passé, très bien. Ensuite, toi. Hop, attaque. Jalboun, attaque Jalboun. S'il te plaît, attaque Jalboun. Elle est morte. Mick. Non, attaque Jalboun. Attaque, attaque. Attaque la bonne personne, je t'en supplie. Utilise une potion. Attends, utilise toutes tes potions, en fait. Voilà. Et maintenant, on prie. Maintenant, on prie. Sort rapide. Sois intensif. Soigne tout le monde, je t'en supplie. Sois modéré. Et sois important. Soigne-le à fond et soigne-toi toi aussi. Guérison. Voilà. Voilà. Elle est où, Sydney? Hop, un soin et bouclier et j'attaque et j'espère que ça va bien se passer maintenant parce que je n'ai pas d'autre sort et je ne peux rien faire d'autre. Ouh, petit 38, pas mal. Aïe, 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 aïe. Ah, non, 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 elle va mourir. Et moi aussi, je vais mourir. En fait. Oh. Elle est morte. Oh. Oh, attendez. Voilà, attendez. Oh là, il y a encore des assassins. Mais il y a encore tellement de merdiers. Je sais pas où je suis. Ok, c'est réglé. Non, il y a encore. Elle est là-bas. Elle s'est TP. Elle s'est TP. Je n'ai plus. Je ne vois plus où je suis. Ah, mais j'ai encore des potions. Mais non, mais c'est pas possible cette zone. Au secours, c'est pas possible. Sort rapide. Bénédiction sur toi-même. Guérison de maladie, c'est quoi? Restauration suprême. Ah, bonne idée ça. Allez, faut avancer, s'il te plaît. Mais elle se soigne à 24. Au secours. 150 de dégâts, elle est morte. Ou elle est où? Elle est là, elle est en... Mais c'est pas possible, elle meurt jamais. Elle ne meurt jamais. Ah puis là, trop bien. Hein. Oh. Mais je suis étourdi, je suis étourdi, je meurs. Trop bien. Trop bien. Bah super, bah la mort. Bah en fait on va pas la voir. On ne va
pas du tout la voir en fait. Je vais me débrouiller sans. Et puis c'est tout. Tout simplement, j'ai été de mourir en boucle. C'est pas possible de la vaincre, cette dame. Genre vraiment pas possible. Et bah tu sais quoi, Michel. Je refuse. Voilà, je refuse. Casse-toi. C'est pas mon problème. Non mais je refuse. D'accord, donc en fait il peut pas partir, très bien. Eh ben on va. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Que je regarde. Je pense que là j'ai tout ce qu'il faut. Faut que je parle à Eldenon, mais je ferai ça la prochaine fois. Écoutez, la session va être un petit peu plus courte que ça parce que c'est un peu le Gloomy Ball, gars, cette session. Je pense qu'il y aura qu'un seul épisode et puis ce sera très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette session jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à me dire si vous avez une solution pour ce problème-là parce que ça a l'air très compliqué. Merci à tous pour votre temps et votre patience, surtout sur ces sessions qui arrivent avec beaucoup de retard. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.